Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Goshanika henai mata murari gupta purve ami parikshiruntarae irita. Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit: J'ai connu une expérience similaire avec Murari Gupta. J'avais beau le mettre à l'épreuve, il demeurait inflexible. Je vais lire le verset 46 aussi. Sei bhakta danya yena chade prabhu racharan. Sei prabhu danya yena chade nijajana. Glorieux est le dévot qui ne quitte pas son Seigneur adoré, et glorieux le Seigneur qui n'abandonne pas son serviteur. Om Agyanati Mirandasya Yananjanam Sharakya Chakshuru Miritamina Tasme Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sakitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadam Adyam Vadati Svapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Padayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Namo Bhutare Namah. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Rasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasidevaye Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatyena Monama. Chakalpatarubhyascha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanande. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Vashunyavadi Paschatya Rishatarine. J'ai choisi un verset. J'ai choisi un verset qui parlait de Murari Gupta, pour introduire, parce que je vais un peu parler plus ou moins, on va dire, des divertissements de Ramachandra. Ouais, ça tourne pas mal, il y a tout un peu Ram quand même. Et donc, Murari Gupta, c'est un dévot qui était très, très attaché au Seigneur Ram. Et lorsqu'il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé de fixer ses pensées sur Krishna. Et donc, Murari Gupta, il voulait faire plaisir à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, quand il est retourné chez lui, il a essayé de toutes ses forces d'obéir à l'instruction de Chaitanya. Mais toute la nuit, il a fait que de pleurer. Il voulait juste mettre fin à sa vie parce qu'il était tellement attaché à Ramachandra que pour lui, c'était pas possible de penser à quelqu'un d'autre. Donc finalement, il est revenu complètement défait vers le lendemain, vers Chaitanya Mahaprabhu, et il lui a demandé pardon. Il lui a dit qu'il n'avait pas réussi, qu'il avait beau essayer, Ram c'était le seigneur de sa vie. Et finalement, Chaitanya Mahaprabhu, il était très satisfait parce qu'il avait une dévotion ferme, un amour vraiment ferme pour Ramachandra. Et il a révélé son identité. En fait, Murari Gupta, c'est Hanuman.
Donc finalement, c'est le plus grand serviteur de Ramachandra. Donc c'était normal qu'il ne puisse pas fixer ses pensées sur quelqu'un d'autre que Ram. Et donc dans ce verset, c'est pour ça qu'il dit « Glorieux est le dévot qui ne quitte pas son Seigneur adoré, et glorieux le Seigneur qui n'abandonne pas son serviteur. » Et finalement, on peut voir que... ça beau parce que ça veut dire que quelle que soit la forme, Krishna il a plein de formes différentes, il prend plein d'aspects différents, mais l'aspect auquel on est attaché finalement c'est tellement parfait pour chaque être que chaque être il ne peut pas vouloir autre chose que simplement servir à Krishna sous cette forme là. Et donc pour j'ai raconté aujourd'hui des histoires, vous connaissez une bonne partie d'entre vous en connaît une bonne partie, on va dire. C'est en lien avec le Ramayana. Je ne sais pas si c'est vraiment dans le Ramayana, mais en tout cas, ça parle de Ramachandra et de ses associés. Et de son grand ennemi, Ravan. Et ça parle de deux balis différents. Donc je pense que vous vous souvenez de... Il y a la rencontre avec Bali, le roi des singes, et la rencontre avec Bali Maharaj, le grand dévot du Seigneur. Donc ça commence lorsque l'armée est en train de traverser le pont qu'ils viennent de construire pour se rendre à Lanka, parce que Ravan il a kidnappé Sita, Ramachandra il veut récupérer Sita, donc il s'est allié à tous les singes pour pouvoir traverser, pour pouvoir aller mener cette guerre contre Ravan. Et ils sont en train de traverser tous ensemble le pont qu'ils viennent de construire, donc en jetant les pierres, en inscrivant Ram dessus. Et il y a Ramachandra, à ce moment-là, il veut envoyer encore un messager pour laisser... En fait, il a envoyé plusieurs messagers à Ravan pour essayer de lui demander de simplement redonner Sita, et comme ça, il n'y aurait pas de guerre, il lui pardonnerait tout. Et... Donc, il désigne Angada. Angada, c'est le fils de Sugriva. Sugriva, c'est le roi des singes. C'est Indra, en fait, le Deva Indra qui vient... sous cette forme-là, quand il vient dans les divertissements de Ramachandra. Et c'est le plus petit de l'armée des singes. Et il l'envoie en tant que messager pour... il lui dit que si Ravan redonne Sita, alors Ramachandra, il deviendra son plus grand ami, il lui pardonnera tout et il le protégera. Donc Ravan, il a kidnappé Sita. Et Ram, il est prêt à tout lui pardonner... à tout lui donner s'il accepte de la redonner. Et donc Angada, il prend les bénédictions de différentes personnes, de Hanuman qui est déjà revenu victorieux. Enfin, il vient de trouver Sita, il avait brûlé toute la ville de Lanka et il était revenu pour le dire à Ram. Et Hanuman, quand il étreint Angada, il lui dit de les insulter dans son oreille. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est des singes, alors il faut comprendre qu'ils sont dans une humeur particulière et ils ont du mal à se contrôler complètement. Et donc, Angada, il va voir Ravan dans ses quartiers, dans sa ville de Lanka, et il lui rappelle qu'ils s'étaient déjà rencontrés, Angada et Ravan, il y a bien longtemps. Parce que Angada, c'est le fils de Bali. Bali, c'était l'ancien roi des singes. Et Bali, il avait une très grande réputation. Parce que c'était dit que tous ceux qui se retrouvaient à se battre face à lui, ils perdaient la moitié de leur force. Et en plus de ça, il faisait une adoration spéciale. Il adorait des Shalagramshila dans 4 lieux saints différents tous les jours. Et donc, ça le rendait encore plus puissant. Donc... c'est expliqué aussi, ces quatre lieux saints, c'était Rameshwar, Badrinath, Jagannath Puri et Dwarka.
Donc chaque jour, Kishkinda, c'est la cité des singes. Il sautait de Kishkinda, parce qu'en un saut, il faisait le voyage en fait. Il sautait de Kishkinda à Rameshwar, il adorait le Shalagram Shila, il ressautait à Kishkinda. Et ensuite, de la même manière, il le faisait en allant à Badrinath, Jagannath Puri et Dwarka. Et il faut aussi savoir qu'il s'était querellé avec Sugriva. Et Sugriva, il n'avait pas la force de battre Bali. Donc il s'était réfugié dans un endroit où Bali Maharaj ne pouvait pas aller. Parce que s'il touchait le sol à cet endroit-là, il s'était fait maudire que sa tête explosera en 10 000 morceaux. Donc il avait l'impossibilité, il ne pouvait plus se battre contre Sugriva, mais à chaque fois qu'il sautait, il en profitait pour mettre un coup sur la tête de Sugriva à chaque fois qu'il sautait comme ça de la cité des singes au lieu saint où il allait. Et donc au bout d'un moment, Hanuman qui servait Sugriva, il en a eu marre. Il a attrapé Bali, sauf que Bali et Hanuman, ils étaient tous deux de force égale. Donc il voulait essayer de le faire toucher le sol pour être débarrassé de Bali en fait. Mais Bali il a tiré toutes ses forces, Hanuman il s'est mis en colère et ils se sont battus comme ça, et ils se sont débattus chacun et finalement ils sont arrivés à un accord et Bali il a dit ok, lâche-moi et j'accepte, je ne ferai plus ça, je laisserai Sugriva tranquille à partir de maintenant. Donc à partir de là, il a arrêté de lui mettre des coups dans la tête à chaque fois. Et donc après ça, il s'est rendu au lieu saint. C'était le premier, c'était Badrinath. Non. Le premier, c'est Rameshwar. Et il y a Ravan qui a voulu aller se battre contre lui. Sauf qu'il ne voulait pas se battre en partant face à lui, parce que si tu te retrouvais face à lui, tu perdais la moitié de ta force. Donc, il l'a attaqué de dos pendant qu'il était en train de faire l'adoration de ses chalagrams. Et il a attrapé sa queue, sauf qu'il a voulu tirer la queue, mais c'est la queue qu'il a tirée. et la queue s'est allongée, elle s'est entourée tout autour de lui, et il s'est retrouvé bloqué, accroché à la queue de Bali. Et Bali, avec Ravan accroché derrière lui, il a sauté pour retourner à Kishkinda avec Ravan accroché. Ensuite, il est retourné au deuxième lieu, à Badrinath, avec Ravan toujours derrière lui, à Kishkinda, à Jagannath Puri, et ensuite à Dwarka, et il avait toujours Ravan accroché derrière lui, et Ravan il n'en pouvait plus, il y a tous les Gandharva qui se moquaient de lui dans le ciel. C'était vraiment la risée de tout le monde. Il lui a dit, oh non, s'il te plaît, lâche-moi, au moins, si tu m'attrapes, attrape-moi par ta main, parce que par la queue, vraiment, c'est vraiment, c'est pas très glorieux, quoi. Donc finalement, ils sont retournés à Kishkinda, et Bali, il lui a dit, ok, je te lâche, mais tu viens plus m'embêter, et ils ont conclu un pacte. Et Ravan a promis qu'il ne viendrait jamais embêter la cité de Kishkinda des singes, en fait. Qu'il le laisserait tranquille et que lui, il repartirait de son côté. Donc, ils ont fait une sorte d'accord de paix entre les deux. Parce que finalement, Bali Maharaj, il était assez fort pour battre Ravan. Donc, lorsqu'Angada est arrivé, vu que c'était le fils de Bali Maharaj, il avait pu rencontrer Ravan à cette occasion-là. Donc il lui a rappelé qu'ils se connaissaient déjà tous les deux. Et il a transmis le message à Ravan pour lui dire « Ravan, il veut bien tout te pardonner, mais il faut que tu redonnes Sita. » Et Ravan lui a dit « J'en ai marre de ces singes qui viennent me voir et qui me commandent « Pars ou sinon je vais te tuer. » Et Angada lui a dit « Je ne me tue pas tout de suite, tu pourras me tuer plus tard. Mais pour l'instant, juste essaye simplement de bouger mon pied. Moi, je suis le plus petit singe de l'armée. Donc, essaye juste de bouger mon pied et tu pourras. Après, tu pourras me tuer. Alors, Ravan, il a demandé à son fils Indrajit de le faire. Il a appelé son fils, qui était aussi très très puissant.
Et Indrajit, il s'est tordu dans tous les sens pour essayer de bouger le pied de Angada, mais il a pas bougé d'un centimètre. Alors Ravan, il s'est mis en colère. Il dit, moi, j'ai soulevé Kailash, je vais pouvoir soulever le pied de ce singe quand même. Et donc il a saisi le pied et pareil, il a essayé toutes ses forces et il n'y a rien qui y faisait. Et il s'est mis en colère et Angada, il lui dit, ok, bon, ça fait rien, essaye de bouger mon orteil au moins. Il a essayé de toutes ses forces, mais il n'a pas réussi. Il lui a demandé, mais d'où te vient ta force? Et c'est marrant parce que ça me fait penser au... Hiranyakashipu, il demande la même chose à Prahlad Maharaj, parce que Prahlad Maharaj, il est insensible à toutes les attaques de Hiranyakashipu contre lui. Et ils ont la même réponse finalement, Angada et Prahlad, c'est que Prahlad, il lui avait répondu que sa force, elle venait de Krishna. Et là, Angada, il dit que sa force, elle vient seulement de Ramachandra, en fait. Et qui chante son nom, et que c'est ça qui lui donne toute sa force, c'est simplement de chanter les mantras. Donc ça montre la puissance de son nom. Et donc Ravan, il se met en colère, et Angada, il repart, et Ravan, il lui dit que de toute façon, il veut pardonner Sita, alors... Angada lui dit, dans ce cas-là, tu rencontreras ta mort. Et il s'en va. Et l'armée continue d'avancer. Et ils arrivent à la cité de Lanka. Une magnifique cité tout en or. Et Vibhishan, c'est le frère de Ravan qui s'est allié à Ramachandra parce que c'est un grand dévot. Et il voit que de toute façon, ils n'ont aucune chance dans cette guerre et que cette guerre, elle va mener à la fin de tout... toute la ville de Lanka. Donc il a rejoint Ram et lorsqu'ils arrivent à Lanka, il lui désigne, il y a un grand bâtiment de 10 étages. Il lui dit, oh regarde là-bas, c'est là le palais de Ravan. Alors ils s'émerveillent tous devant la beauté du palais, et lorsque Ramachandra se retourne, il y avait Sugriva, le roi des singes, derrière lui, et quand il se retourne, il ne le voit plus. Donc ils commencent tous à s'inquiéter, oh, il doit y avoir un démon parmi nous, il a joué un sort, il a fait quelque chose, il faut qu'on reste sur nos gardes. Mais en fait, Sugriva, ce qu'il a fait, c'est que quand ils ont dit que c'était là que vivait Ravan, il s'est mis tellement en colère parce que Ravan, il détient Sita. Et ça le met en colère qu'il vive ici sans aucune gêne en ayant kidnappé l'épouse de Ramachandra. Donc il voulait simplement aller voir Ravan pour un peu se venger. Et Ravan, il était en train de se regarder dans le miroir et de se faire maquiller. Donc... par 10 serviteurs, il lui chantait ses louanges, il le maquillait, tout ça. C'était un moment très agréable pour Ravan, et finalement, il sent quelque chose de bizarre sur son visage. Et donc il demande à ses serviteurs, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Mais les serviteurs ne comprennent pas, ils n'ont rien fait de spécial. Alors il ouvre les yeux, il voit une espèce de mouche tourner autour de lui. Et il l'attrape. Et là, il voit ses Sugriva qui s'est fait tout petit et il s'amuse à lui cracher au visage. Ah non, encore ces singes, mais pourquoi encore ces singes? Et alors, à ce moment-là, Sugriva, il lui dit, avec beaucoup de diplomatie, il lui dit, je t'ai craché au visage, maintenant je suis heureux. Et il s'en va. Et Ravan, il est vraiment très très en colère, et lorsque Vibhishan, Ramachandra, il voit Sugriva revenir, Sugriva il lui dit, bon voilà, j'ai été voir Ravan, j'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai été voir et je lui ai craché au visage. Ramachandra se dit, mais non, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait, mais quelle erreur j'ai fait en m'associant au singe. J'arrive dans un pays inconnu,
un pays d'une personne que je ne connais pas encore, et j'arrive à peine que tu lui as déjà craché au visage. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors, il était vraiment catastrophé, Ramachandra, mais finalement, Sugriva, il lui a dit, non, ça va, ne t'inquiète pas. De toute façon, en fait, je suis un singe. On mettra ça sur ma nature de singe, parce qu'en tant que singe, je ne peux pas vraiment me contrôler. Donc, on dira simplement, il a fait ça parce qu'il est un singe. Et on dira, pas, il a fait ça, et c'est à cause de Ramachandra. Et après cet épisode-là, Ravan, il s'était fait embêter plusieurs fois par les singes, et il a été même battu plusieurs fois finalement. Et il commençait à se poser un peu des questions quant à l'issue de la guerre, parce qu'il voyait qu'il n'était pas si invincible que ça. Donc il commençait à se dire qu'il fallait peut-être qu'il trouve un allié, parce qu'il fallait quelqu'un chez qui se réfugier si jamais les choses tournaient mal. Alors il s'est mis à penser à différentes personnes. Alors, les Devatas, non, il ne pouvait pas, parce qu'il avait asservi tous les Devatas, il le servait lui. Donc il ne pouvait pas demander aux Devas. Dans sa famille, les démons, il était le plus puissant de tous les démons, donc pareil, il ne pouvait pas chercher le refuge d'un autre démon. Mais dans sa famille, Ravan, il était dans la même famille que Bali Maharaj. Donc il a pensé à lui. C'était son ancêtre. Et Bali Maharaj, lorsqu'il a été... Bali Maharaj, c'est l'histoire avec Vamanadev, l'avatar nain. Et il avait promis 3 pas de terre à Vamana, parce qu'il avait tellement d'amour en le voyant qu'il était obligé de lui offrir tout ce qu'il voulait. Et Vamana, il avait grandi, et en 2 pas, il avait recouvert tout l'univers entier. Donc, pour le 3e pas, Bali Maharaj avait offert sa tête parce qu'il ne pouvait pas vraiment en tenir sa promesse. Et c'est pas possible de ne pas tenir sa promesse. Donc, finalement, Vamana, quand il a vu ça, il a dit qu'il deviendrait le gardien de sa... qu'il deviendrait son gardien, et ils sont allés tous les deux sur une planète qui s'appelle la planète Sutala. Donc c'est dans les sphères inférieures, mais c'est une planète qui est très, très opulente finalement, où il n'y a pas de maladie, pas de vieillesse, c'est une planète pas ordinaire. Et Vamana, il garde la porte de cette planète, de ce lieu là où Bali Maharaj vit. Et donc Bali Maharaj, lorsque Ravan est arrivé, il a vu Vamanadev, un nain qui était en train de faire des allées et venues devant la porte. Et donc il s'est demandé qui c'était, mais il a voulu simplement passer. Mais Vamana, il avait fait un vœu de silence, il ne pouvait pas parler. Donc quand Ravan est arrivé, il a simplement posé sa masse et il a fait « Donc Ravan, il s'est mis en colère, mais bon, il s'est contrôlé quand même, il s'est rendu invisible. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est qu'il était invisible aux yeux matériels, mais pas aux yeux spirituels. Donc Vamanadev, avec ses Vishnu, il ne pouvait pas, il le voyait quand même, ça ne changeait rien pour lui. Donc de nouveau, il a mis sa masse. Alors Ravan, à ce moment-là, il a utilisé un autre de ses pouvoirs mystiques, et il s'est rendu tout petit, et il a essayé de passer rapidement. Sauf que Vamana, il a posé son pied sur Ravan. Et Ravan, il s'est retrouvé bloqué sous le pied de Vamanadev, en train de se secouer dans tous les sens et de crier pour essayer de s'échapper, mais il était complètement bloqué. Et Vamana, il l'écrasait, il ne le tuait pas, simplement il le gardait bloqué sous son pied. Et après, il s'est dit, au bout d'un moment, Vamana, il s'est dit, bon, c'est bon, il est devenu qualifié pour accueillir la flèche de Ramachandra. Maintenant, je peux le relâcher. Wow. Et donc, c'est pour... ouais, c'est par... c'est grâce à Vamanadev que Ravan a pu être tué par Ramachandra. Comme quoi, c'est pas... Pour recevoir la flèche de Ramachandra, il faut une qualification. Voilà, il faut être qualifié pour pouvoir recevoir la flèche de Ramachandra. Et donc...
Il a fait comme s'il ne s'était rien passé lorsqu'il est arrivé voir Bali Maharaj. Il a dit... Il est allé voir et « Oh, je suis venu te voir, je suis le seigneur des trois mondes. Je peux aller partout où je veux. » Alors Bali Maharaj, il lui a dit « Oh, mais le seigneur à la porte, le nain à la porte, il ne t'a pas arrêté, tu as pu rentrer ?»« S'il m'avait arrêté, je ne pourrais pas être là. » Et à ce moment-là, Bali Maharaj était « Il s'est dit, il t'a arrêté. » Mais il est devenu miséricordieux envers toi, et c'est pour ça qu'il t'a laissé passer après. Et donc, Ravana, ça l'a mis en colère. Mais qui est-il pour devenir miséricordieux envers moi ? Moi, je suis le seigneur des trois mondes. Et Bali Maharaj lui a répondu, mais il est le seigneur suprême. Comment ça ? Mais c'est moi le seigneur suprême. Il s'était vraiment sur le côté. Il n'était pas content du tout. Mais... Alors, Bali Maharaj lui a dit, mais alors, si tu es le Seigneur suprême, pourquoi est-ce que tu es venu me voir ? J'ai besoin de ton aide, en fait. Ah ! Alors, si tu es le Seigneur suprême et que tu as besoin de mon aide, ça veut dire que je suis le Seigneur suprême. Ravan, il lui a dit, oh, s'il te plaît, Bali Maharaj, ne te moque pas de moi. Tu sais, dans les Dharma Shastra, il est dit que tu ne devrais pas te moquer d'une personne plus jeune parce qu'elle est moins intelligente que toi. Finalement, Ravan, il connaissait très bien les Écritures et il savait s'en servir pour se défendre. Et l'image lui a dit « Ah, tu te souviens encore des Dharmashastra ?» Parce que quand même, il n'avait pas une conduite exemplaire, Ravan. Il faisait beaucoup de méfaits autour de lui. Et Ravan, encore vexé, il dit, mais pourquoi est-ce que je les aurais oubliés ? Mais alors, pourquoi tu es ici ? Alors, Ravan a trouvé une autre excuse. Je suis venu parce que tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Et c'est intéressant d'ailleurs quand on y pense, parce que ça veut dire que, étant donné que Hiranyakashipu, c'est le père de Prahlad, que Prahlad, c'est l'ancêtre de Bali Maharaj, et que Bali Maharaj, c'est l'ancêtre de Ravan. Hiranyakashipu et Ravan, ils sont tous dans la même lignée, en fait. Ils sont tous liés. Et Bali Maharaj, il n'y a pas cru une seule seconde. Oui, mais ça faisait des milliers d'années déjà que Ravan était sur Terre. Il n'était jamais venu le voir... pour rendre visite à son arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc, ok, c'est quoi la vraie raison ? Alors, Ravan, il a dû se rendre à l'évidence, il lui a dit, bon, d'accord. Je suis venu te voir parce qu'il y a un humain qui est arrivé à Lanka avec des singes. Un humain ? Mais comment c'est possible qu'un humain soit venu à Lanka ? Parce que Lanka, c'est une île qui est très loin au milieu de l'océan. Et il n'y a aucun pont pour la traverser, il n'y a aucune manière d'y accéder, et même dans la mer, il y a des monstres. Donc c'est pas si simple que ça pour venir à Lanka. Et donc Ravan lui a dit, oh, ils ont construit un pont pour venir. Alors Bali Maharaj, il savait c'était qui, oh, il s'est dit, oh, mais c'est merveilleux, c'est le fils de Dasharatha, c'est ça. Et Ravan, il s'est mis en colère. Oh oui, c'est vaurien, je les ai maîtrisés encore et encore, mais ils viennent toujours. Et il était vraiment excédé. Alors, Bali Maharaj lui a dit, mais alors ces singes, c'est qui ? C'est des singes, c'est quelques singes. Il y en a un qui est venu, il a brûlé Lanka. Il y a le deuxième, j'ai pas réussi à faire bouger son pied. Le troisième, il est venu, il m'a craché au visage. Il les aimait pas, les singes. Oh, mais alors, est-ce que tu as décidé de redonner Sita ? Puisqu'il y a tout ça qui t'arrive, peut-être ce serait une bonne idée. Non. Pourquoi je redonnerais Sita ? C'est que c'était quelques singes, quelques êtres humains, c'est pas grand-chose, je peux... Alors, Bali Maharaj, il a tenté de le raisonner quand même, parce que c'était son devoir de le faire. Il lui a dit, oh, mais regarde, c'est que quelques singes qui sont venus sans l'intention de se battre. Il y en a un qui a brûlé ta cité,
Il t'a pas pu faire bouger le pied du deuxième. C'était le plus petit de l'armée. Et le troisième, il t'a craché au visage. Et il est parti sans que tu l'attrapes. Et imagine toute une armée qui vienne dans l'intention de se battre. En plus, Bibishan, c'est son frère. Il savait tout sur Ravan, il savait tout sur la construction de Lanka. Il pouvait tout dire à Ramachandra pour qu'il puisse battre Lanka. Et ils ont fait toutes des stratégies grâce à Bibishan, en fait. Donc, il lui a dit, mais tant que ton frère, au moins, est de l'autre côté, ne fais pas cette guerre, t'as c'est perdu d'avance. Pourquoi tu t'obstines? Mais, en fait, ce qui est fou, c'est que Ravan, il était tellement pris par la concupiscence pour Sita qu'il n'y avait aucune chance qu'il la redonne. Il voulait tellement s'accaparer... Bon, après, c'est des divertissements, parce que Ravan, c'est un grand dévot, finalement, qui prend ce rôle-là pour pouvoir permettre à Krishna de venir dans différentes humeurs de chevalerie. Mais Ravan, sous cet aspect, il était complètement pris par la concupiscence et il était aveuglé par ça et il pouvait pas redonner Sita. C'était impossible. Et donc il a dit simplement, mais Vibhishan, de toute façon, ça ne compte pas. Il fait que de pleurer en chantant les noms de Vishnu. C'est un démon maintenant. Et alors, Bali lui a dit, ok, bon, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Concrètement, pourquoi t'es venu ici? Il lui a dit, mais tu dois m'aider, s'il te plaît, tu dois m'aider. Ok, bon. Avant de parler politique, je vais t'offrir quelque chose. Viens, suis-moi. Et alors, il l'a emmené à quelque part où il y avait... Le sol était ouvert à un endroit et il y avait une énorme montagne, tout en or. Alors, elle faisait 32 km de large. 115 km de haut, donc j'ai pas réussi à mesurer concrètement ce que ça donne, mais ouais, 115 km de haut, il y a pas trop de comparaison. Mmh. Mais c'est vraiment très très gros, tout en or, façonné d'une très belle manière, avec des énormes diamants incrustés, des diamants qui étaient plus gros que la tête de Ravan. On peut imaginer que c'était vraiment gros. Et... lorsque Ravan il l'a vu, il est tombé amoureux complètement de la montagne en or. Parce qu'il était aussi très avide d'or. Il avait déjà volé le char de son frère qui était entièrement en or. Il avait la ville de Lanka aussi qui était entièrement faite d'or. Il était très avide d'or. Et lorsqu'il l'a vu, il était complètement ébloui. « Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné cette boucle d'oreille ?» Ben, l'image lui a dit « Oh, peu importe qui me l'a donnée. » Je te la donne. Oh, vraiment? Comme ça, sans condition, tu me la donnes? Oui, je veux bien te la donner, mais seulement, tu dois réussir à la soulever. Et là, je te la donnerai. Alors, Ravan, j'ai soulevé Kailash, moi, je peux soulever, une montagne en or, pardon. Donc il est allé vers la montagne, il a mis ses 20 bras, parce que Ravan, il a 20 bras. Donc il a mis ses 20 bras sous la montagne, il a essayé de toutes ses forces de la soulever. Mais c'était impossible, à peine soulevé, mais c'était pas possible de la déplacer. Et alors Balimar, je lui ai dit, ok, c'est pas grave, viens, recule-toi, dis-moi à quoi elle ressemble. Alors Ravan s'est un peu reculé et en l'observant mieux, il s'est dit « Ah, on dirait une boucle d'oreille en fait. » Et Balimara lui a dit « Oui, c'est ça. C'est la boucle d'oreille d'Hiranyakashipu. » Lorsqu'il a combattu Nrisimhadev, lorsque tu as combattu Nrisimhadev dans ta vie précédente, et Vishnu était venu sous la forme... Le Seigneur est venu sous la forme de Nrisimhadev. Et à ce moment-là, il t'a battu. Et ça, c'est la boucle d'oreille. C'était ta boucle d'oreille. Et elle est tombée à cet endroit-là, à ce moment-là. Et toi, aujourd'hui, dans cette vie, t'es même plus assez puissant pour soulever ta propre boucle d'oreille. Sachant que le Seigneur, il avait été capable de te battre dans la vie précédente. Quelle chance penses-tu
avoir de battre Ram dans cette vie. Et Ravan, il était tellement aveuglé qu'il a rien écouté de ce que Bali Maharaj a dit et il est parti. Il a rien obtenu finalement, il n'avait pas d'allié. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que il y a plusieurs fois où ils ont essayé de raisonner Ravan, mais dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui dit Kamaisha Krodaisha Rajoguna Samudbhava Mahasano Bhapma Vidyenam Iha Vairinam. C'est la concupiscence seule, ou Arjuna, née au contact de la passion puis changée en colère, elle constitue l'ennemi dévastateur du monde et est source de péché. Donc en fait, finalement, quand Ravan, il était sous l'emprise de la concupiscence et de la colère aussi. Et finalement, il était complètement aveuglé par ça. Et c'est l'exemple typique de ce qui se passe parce que, c'est l'ennemi dévastateur du monde et source de péché. Donc, pour assouvir toute cette passion, toute cette colère, on est capable de tout accomplir et on n'a plus d'intelligence en fait. Et c'est pour ça, c'est important. Là, on voit. Je vais faire une fin un peu philosophique. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ces exemples-là qui sont vraiment exacerbés de colère, de concupiscence, parce que ça nous permet de mettre un doigt dans ce qu'il y a, pas forcément à la même échelle, mais ce qui est présent aussi en nous, et de pouvoir raisonner sur notre manière d'agir et notre manière de servir. Et de plutôt devenir prendre exemple des serviteurs comme Hanuman, comme Murari Gupta, comme tous ces grands exemples, comme Angada qui avait une force extraordinaire simplement, hein, mais qui n'en tirait aucun orgueil parce que simplement il savait que toute cette force, tout ce qu'il avait, ça venait seulement de Ramachandra. Donc c'est important de prendre l'exemple de ces grands dévots et de parler d'eux. C'est bon.